Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu as à redire? Ma voiture a pas synap... Attends. Ah zut, on a parlé en même temps. Quoi, tu veux dire que ma voiture passe inaperçue? C'est pas bon ménage, messieurs. Aïe aïe. Bon, et du côté du 27, là, vous en êtes où? Vous êtes rendu? Nous, on attend encore, on a quelqu'un là qui doit être pris en charge. Là. On a encore un retardataire. Ouais, d'accord, je comprends bien, mais je veux dire par là, c'est pas les uns sans les autres. Allez, Christophe! Allez, Christophe! Allez! Si! On a faim! Mmh. On veut manger! Et boire surtout, hein. Rémi, il paye sa tournée, au fait, hein. Mmh. Oh putain, c'est dans la boîte en plus! Je vois que ça a l'air de vouloir bouger un peu. Oui, Daniel, appelle. Ok, ouais, c'est bon. Ouais, Daniel, ok, on va pouvoir démarrer. Un peu plus haut, j'avais sur la main droite, là, parce que j'ai trouvé qu'il y avait que Patrick qui était derrière moi. Donc, j'attends tout le monde, là. Ok, voilà, c'est bon, on démarre. Ouais, et là, c'est nickel, là, parce que... Là, j'ai pas d'éclairage, j'ai rien du tout là. Ok, voilà, je suis sur le 27 mégas maintenant. Voilà, on vient de prendre la route. Mais ça, on entend, mais en même temps, c'est pas de carton là. On bloque les PMR. Ok, voilà, côté PMR, ben, on a démarré. Ouais, c'est ça. Voilà, on arrive. On vient de passer le Dodan, là on arrive. Là il y a, je sais pas, je compte bien dans le rétro une bonne centaine de voitures là derrière nous. Hein. Si, si, ça marche. J'étais en train de répondre du côté 27 mégas. En même temps, je suis quand même content parce que c'est lui qui ferme la marche. Ah, je suis trois coups. Ah, je sais pas, on te suit. Ah ouais, d'accord. Eh bien, dis donc, tout ça pour ça. Ah ben voilà, ça y est, on est là. Ah, par contre, il y a des places à la Vatrochamps, les enfants. Il est à droite, le restaurant, là, les places à la Vatrochamps. Bon, là, on va se mettre derrière, là-bas, où on était l'autre jour. Attends. C'est où? C'est Okinawa? Oui. Ouais. Alors attends, je vois Daniel, ah, tout ça. On est arrivé, on va ok, ouais, bon, allez, on se gare. Bien, là où je suis, c'est pas mal. Ouais. On va se mettre là un peu plus loin, là, et puis on va y aller à pied, c'est bon. Ah, c'est bon, là, vas-y, gare-toi. Ouais, ouais, ok, d'accord, ça marche. Okay. Le président, il est là. Voilà. Il est là, le président. Attention, passez-vous! Ouais, mais c'est quoi, c'est... Alors attention les gars, là, n'allez pas au Rodi, ils vendent des civils, là, faut pas y aller, hein. Voilà, tu viens d'arriver un peu plus. Où est tout, là? Voilà, on est juste là derrière, à côté, et on voit la station essence. On est entre la station essence et le resto. Attends, mais le resto, c'est lequel?
Alors, tu es où? Devant un resto japonais qui s'appelle Okinawa. Ok, tu continues tout droit et au bout du parking, de ce parking là, t'as une petite route là qui s'en va là sur la suite du parking. Bien reçu. Mais t'as de la chance parce que même moi-même je me suis pas compris là sur le coup là. Ouais, voilà, tu vois là on est là. Ouais, j'écoute. Ça pue, t'as un truc antenne. Ouais, c'est sûr. De retour en fréquence. Vous en avez pensé quoi de cette demi-journée là à Radio Broc? C'est impeccable comme d'habitude. Ah oui, puis il y avait du monde, il y avait du matériel, c'est vrai que c'était bien. Hein. Oui, et puis la bonne ambiance, c'est ça le plus important. Oui, 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 et puis t'as vu là, quand même, on était suffisamment nombreux là après pour le gastro solide. Là, ça a été vraiment sympa quoi. C'est dans la boîte, Eric, c'est dans la boîte. Ça va tirer. Ah, je suis trois coups. Alors Daniel, tu es rendu où là de ton côté là? Là je suis sorti de ce retour, je suis direction. Attends, je dis retour le PMR. Je suis direction Saint-Jean-d'Iac là. Hein. Ok, ouais, côté PMR, j'ai l'impression que c'est pas terrible quoi. On est au niveau de sortie pour de la vallée là. Ok, j'arrive. Voilà, on a déposé le copain comme prévu là, à côté de Radio Broc pour qu'il récupère ses voitures. Et là, on arrive derrière. Voilà, on a le panneau en visuel pour rattraper après l'autoroute puis la rocade. Ouais, je vais l'arrêter au tabac pour qu'il se prenne les clopes. Hein, et le tabac, il est juste avant le Renault sur la droite. Tu peux pas le manquer quand tu arrives de la route. La route que l'a pris ce matin. Tu remontes, tu passes devant Casino. Et là, tu vas arriver devant le tabac, avant le girasson de Renault. Ouais, ok, d'accord. Ah oui, voilà, Bordeaux, ok, impeccable. Attends, Daniel, me voilà. Ok, Daniel, petite question. Pour marquer la journée,
Qu'est-ce que tu nous as fait comme coup là aujourd'hui hein? Alors, j'ai cassé mon antenne de voiture, blablabla. Et comment tu l'as cassé ton antenne de voiture? Hachis trois coups. En passant sous un tunnel qui s'est baissé quand je suis passé. Il était vilain le tunnel. C'est dans la boîte. Blablabla. Hachis trois coups. Ok, on vient de passer justement là à côté du carton là. Mais qu'est-ce qu'elle fout la voiture sur le toit? C'est pas une position ça? Ah, tu les as vus? Oui, j'ai vu ça, il y a du monde autour là qui regarde. Ah ouais, mais il y a des flics, les pompiers, tout ça, alors on est passé devant, on était à ce niveau-là. Eh ouais. Prends pas la direction de Méridac, après tu restes sur la droite pour sortir à la rocade. Ouais, ben là j'arrive à la hauteur de la sortie 26. Et ben je suis sur la voie rapide hein, pour l'instant, là, en direction de la rocade. Voilà, nous on est garé, on a passé juste sur le casino, là on est garé sur la droite, là il se prend des plans, puis on repart. Mais du coup, tu te rappelleras la route? Ah, tu me feras un radioguidage, rien que pour le plaisir de faire un radioguidage. Pas de problème. Mais la CB, il faut bien que ça serve à quelque chose, Hachi. Et 73 Christian, oui affirmatif, voilà, là je suis sur la rocade. Oui, je t'avais connu Eric, j'ai dans la mémoire encore un peu. Voilà, je suis en train de passer la sortie 16, 16, non 18, oh je sais plus. Ah non, la sortie 16, c'est celle que je dois prendre. Là, je viens de passer la 18. Non, c'est l'inverse. Je dois prendre la 18, je viens de passer la 16. Oh putain, la journée a été dure. La 18, c'est la nôtre. La boîte. Oui, voilà, donc là, je viens de passer la 16. Ah, chi. Attention, radar. Putain, puis prends la micro à l'envers, ça te fait pas trop non plus. Oui. Ah, il y a plein de papardi dans le coin alors. Ouais, mais ça va, je suis pas connu, donc je me ferai pas photographier. Ouais, mais c'est ton numéro. Ah merde. Je vais faire au numéro juste. Bah, le numéro de carte bleue. Oui, ils seront à trouver avec. Justement, je suis en train de voir passer sur le pont là qui est voilà, au-dessus de la tête. Ah ouais, je viens de voir les. Oh, là, ils étaient. Là, c'est les motards que j'ai vu passer. Là, ils sont passés en même temps là au-dessus de nous. Ouais. C'est pas les plus gentils. Ah. Bon, je viens de voir le panneau sortie 18. Ah ben t'es devant chez nous. Ah oui. Il fait beau par chez vous, hein? Ouais, mais pas souvent. Oh putain, qu'est-ce que je suis moustaché? Ça module dans le coin, ça module. Les routiers, tu dois croiser les camions espagnols et autres. Hein. Ah oui, voilà, j'ai pris la sortie.
demander si ça va bien le coffre. Il est plein de bouteilles vides. Bon, ben t'es très sage. Oui, enfin on va dire ça comme ça. Ouais, à tout le monde je crois. Il y avait beaucoup de matériel de CB aussi. Hein. Ben oui, forcément. Merci à tous. 88 de la part des forums, les ondes du routier et la planète CB francophone. Notre prochain rendez-vous sera le 29 juillet prochain à Marennes.